Merci d'être ici aujourd'hui pour le lancement d'un nouveau parti politique, Coalition Avenir Québec. Au cours de l'automne, j'ai eu le grand privilège d'échanger avec plusieurs d'entre vous. Or, à voir les réactions, il semble y avoir beaucoup de Québécois qui ont envie de parler de nouvelles idées. On a été renversés par le nombre de commentaires dans toutes les régions du Québec. Ici, maintenant, passons à l'action. And that we should focus on this and be together to try to work on some priorities, few priorities. Il faut que le Québec là, se reprenne en main et qu'on crée de la richesse et du bonheur. Si on veut laisser à nos enfants un Québec qui est prospère, un Québec qui est solidaire, c'est non seulement pertinent aujourd'hui, le projet de souveraineté, mais c'est devenu urgent. Bon, moi, je suis souverainiste depuis l'âge de 16 ans, ça fait 37 ans. Et là, ce qu'il faut, c'est de présenter la souveraineté aussi comme un moyen pour défendre un projet en ballant. On a 4 ans et dans 4 ans, pour venir à un référendum sur la souveraineté du Québec. Il est temps d'entreprendre une nouvelle ère. Le temps est venu pour un changement de cap. Une ère où le Québec recommence à avancer. Le temps est venu de forcer notre destin. Un Québec dynamique, un Québec fier. Le temps est venu d'avoir confiance. Un Québec fort. Le temps est venu pour la souveraineté du Québec. C'est pas pour des questions de raison que je suis devenu souverainiste. C'est vraiment pour des raisons de cœur.